écoutez, d'abord, il y a un pays africain qui est en train de jouer, c'est-à-dire la République centrafricaine. Et puis surtout, je voulais savoir un peu par rapport à ce qui se passe au niveau du pays. On a connu à un moment donné l'équipe de Centrafrique qui a été une équipe vraiment performante au niveau de l'Afrique. Donc il fallait voir quelle est la relève qui est en train de se faire par rapport à cette sélection. On sait que Romain Sato, on sait que Max Kougueré, tous vont essayer de prendre leur retraite. Comment ça va se passer maintenant par rapport au basketball africain et surtout centrafricain? C'est la raison pour laquelle je suis là. Bon, c'est la première fois qu'on voit quand même ces jeunes jouer. Ce qui est intéressant, j'ai remarqué qu'il y a eu une bonne adresse au tir extérieur. C'est pas mal. Mais je pense que pour le moment, il faut encore beaucoup de travail pour pouvoir atteindre, parce que là, c'est des seniors quand même, 24 ans, pour pouvoir atteindre quand même le niveau de l'afrobasket. Il faudra encore beaucoup de travail parce que l'afrobasket est quand même une compétition d'exception. Oula, c'est difficile, complètement difficile. Parce que je sais que en Tunisie déjà, nous avons eu à donner une wild card à l'équipe centrafricaine. Alors qu'il y a quelques années, on ne pouvait même pas imaginer que l'équipe centrafricaine obtienne une wild card. Elle s'est qualifiée et elle est arrivée sur l'afro-basket sans problème. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que quand on pense et surtout à l'histoire du basketball centrafricain, le Hit Trésor et tout ça, il est complètement dans une situation assez difficile. Je pense qu'il y a eu beaucoup de circonstances qui ont agi en ce sens, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être des périodes où il y a eu une instabilité. Il faut reconnaître que l'instabilité politique aussi a joué son rôle. Il y a eu une instabilité au niveau des présidents de fédération. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de renouvellement. Au niveau du basket centrafricain, on a remarqué qu'il y a, hormis, c'est la première fois que je vois qu'il y a des U24 qui viennent jouer. Mais sinon, au niveau de la petite catégorie, il n'y a pas de relève. Donc c'est ça qui pose problème aussi au niveau de cette politique du basket centrafricain. Il faudrait qu'il y ait de temps en temps de la relève, il faudrait qu'il y ait des matchs pour l'équipe centrafricaine, parce que si on doit analyser un peu le basketball centrafricain, à part l'afro-basket, où est-ce qu'elle joue? C'est une fois tous les deux ans qu'on voit l'équipe centrafricaine. Et tout ça, c'est une chose, ce sont des choses à réorganiser pour permettre au basketball centrafricain de ressurgir et de reprendre un peu son passé d'antan.